Bonjour à tous, je vous offre le bonus de ce bracelet comme promis dans mon dernier livre des bijoux au crochet édité chez Créa Passion. Mais d'abord je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. J'anime le blog hooklook.fr qui vous propose un méli-mélo d'idées originales autour de la laine, du tricot et surtout du crochet. Sur la boutique uncrochetparici.com, vous pouvez retrouver certaines de ces créations en vente sous forme de patron au format PDF, ou bien en kit prêt à crocheter, ou encore déjà crocheté en série limitée. C'est un bracelet qui paraît très simple, mais qui est assez original en fait, puisqu'on a l'impression qu'il s'agit de chaînettes cousues sur des brides, et en fait pas du tout. C'est une technique que j'aime beaucoup et que je vais vous présenter maintenant. Pour crocheter ce bracelet, vous devrez connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, la maille serrée, la demi-bride, et aussi vous pouvez visionner le point camel et le point popcorn que je vous avais présenté en vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Et vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous cette vidéo. Alors pour ce bracelet, j'utilise le fil Aviso de chez Fil d'Art. C'est un coton qui se crochette avec un crochet 5 mm. Alors je commence par faire un nœud coulant sur le crochet. Et puis une chaînette. Donc ici je vais faire 21 mailles en l'air parce que ça correspond à la taille de mon poignet. Mais j'ai un poignet assez fin. Donc vous allez voir qu'après il faut que vous fassiez le tour de votre poignet avec la chaînette. Alors aussi n'oubliez pas de faire des mailles en l'air très lâches. Là par exemple j'ai oublié. Alors soit vous faites des mailles en l'air très lâches, soit vous prenez un crochet plus gros pour faire la chaînette de base. Alors faites le tour de votre poignet avec la chaînette. Ici j'ai fait des mailles en l'air un peu trop serrées. Donc c'est un peu juste, mais la chaînette doit faire le tour de votre poignet facilement. Donc ensuite, une fois que vous avez votre chaînette à la bonne taille, on va faire le premier rang. Donc deux mailles en l'air supplémentaires pour se mettre à la hauteur d'une demi-bride. Mais elle ne compte pas comme une demi-bride. Donc dans la troisième maille en l'air en comptant à partir du crochet, on fait une demi-bride. Voilà. Et une demi-bride dans chacune des mailles en l'air de la chaînette. Donc la demi-bride, vous savez faire. Sinon, je vous invite à regarder la vidéo dans la playlist des bases du crochet. Alors voilà, j'ai terminé mon rang et j'ai coupé mon fil parce qu'en fait on ne va crocheter que sur l'endroit. Donc je reprends un nouveau fil, je pique mon crochet dans la deuxième maille en l'air que l'on avait faite au début de ce rang, j'attrape mon fil et je tire une boucle au travers de la maille en l'air. Puis je fais deux mailles en l'air pour commencer le nouveau rang. Ensuite, on va commencer le point camel. Alors, ce sont des demi-brides, mais au lieu de les piquer sous les deux brins de la tête de la maille, comme ceci, on va piquer derrière la tête, sur le pied. Donc, je vous montre. C'est derrière que ça se passe. Donc, ici, vous avez la tête. Et là, vous avez une oblique, voyez, juste derrière la tête. Donc c'est là qu'on va piquer. Donc à chaque fois, vous avez cette oblique ici. Voilà. Alors, on fait un jeté et on pique
sous l'oblique qui est juste derrière la tête. Et on fait notre demi-bride. Donc ça a pour effet de pousser la tête de la demi-bride du rang précédent vers l'avant. Et c'est ça qui donne l'impression d'une chaînette cousue sur des brides. Voilà, j'ai terminé mon rang. Et maintenant, la suite de ça, on va faire une chaînette de 7 mailles en l'air pour faire la boucle qui va attacher le bracelet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on fait une maille coulée au même endroit que la première maille en l'air. Ici. Et voilà, ça crée une boucle. Et puis, eh bien, on va couper le fil. Et puis, on va rentrer les fils tout de suite, comme ça, on y verra plus clair, avec une aiguille à laine. Donc voilà, j'ai arrêté tous mes fils. Je vais chercher un nouveau fil et... Donc je pique dans la quatrième maille en l'air, donc la deuxième du deuxième rang. Et je tire une boucle. Et je refais deux mailles en l'air pour me mettre à la hauteur d'une demi-bride. Et je recommence exactement le même rang que le rang précédent, au point camel. En piquant des demi-brides sous l'oblique qui est derrière la tête. Je ne l'avais pas fait pour le rang précédent parce que je voulais que vous voyez bien où piquer, mais là je vais passer le fil de début par-dessus le crochet après avoir piqué dans la maille pour qu'il se rentre automatiquement. Et je fais une demi-bride dans chacune des mailles sous l'oblique. J'arrive à la fin, encore une demi-bride à faire. Donc repérez bien la dernière tête et piquez sous l'oblique qui correspond. Ensuite, on va couper le fil et on l'arrête. Alors le dernier rang, on va le faire un peu différemment parce que si vous regardez bien, vous voyez que la partie du bas est moins haute que la partie du haut. Il faut qu'on ait la même largeur en haut et en bas. Alors, je pique dans la deuxième maille en l'air du début du rang précédent et je passe un nouveau fil au travers de la boucle. Et je fais une seule maille en l'air cette fois-ci pour me mettre à la hauteur d'une maille serrée. Car ce sont des mailles serrées que l'on va faire pour remplacer les demi-brides. On les pique exactement au même endroit, donc sous l'oblique qui est derrière la tête. Mais donc le fait de faire des mailles serrées à la place des demi-brides va nous permettre d'avoir une largeur égale en haut et en bas du bracelet. Alors comme tout à l'heure, je rentre mon fil du début au fur et à mesure, donc je tire un petit peu dessus de temps en temps pour qu'il se rentre bien. Alors, on a bien une largeur identique
en bas ici et en haut. Ensuite, on coupe, on arrête et on rentre les fils. Et voilà, nous avons un joli bracelet bien rectangulaire. Donc maintenant, on va faire la bordure de droite. On prend un nouveau fil, on pique tout au bout de la chaînette de base, ici, et on tire une boucle. Ensuite, on fait une maille en l'air. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien où piquer. On va répartir 3 mailles coulées jusqu'à ce que l'on arrive au milieu du bracelet. Donc une, deux, trois. Alors ici on arrive au milieu, vous voyez la chaînette du milieu, et on va faire une boule avec le point popcorn. Alors pour cela, on fait 5 brides au même endroit. On enlève le crochet de la boucle et on pique le crochet dans la première bride, ici. On attrape la boucle, on resserre et on passe la boucle au travers de la première bride. Et ça forme une boule. Une maille en l'air et on recommence les mailles coulées de l'autre côté de la boule. Donc ici, donc 3 mailles coulées en tout à répartir . Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à couper et rentrer les fils et puis on a terminé le bracelet. Alors, voilà sur l'envers, c'est tout plat. Et voilà porté. J'espère que ce bonus vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez découvrir 2 autres bonus de bijoux en cliquant sur les vidéos. À bientôt!